Bonjour à tous. Aujourd'hui, je voulais vous présenter ce petit thriller que je viens de terminer, un livre d'Alexandra Oliva, une jeune écrivaine américaine. Donc le livre, c'est Jusqu'au bout, des éditions Kerho. En fait, c'est vraiment un livre assez original parce que c'est l'histoire de 12 candidats qui participent à une sorte de Koh-Lanta de l'extrême, en pleine forêt. Et plus particulièrement, en fait, on suit la candidate qui s'appelle Zoe. En fait, ils ont tous des surnoms. Et au fur et à mesure, en fait, de ces épreuves qui sont vraiment à la limite du supportable, vraiment extrêmes, on peut se poser des questionnements sur l'environnement qui les entoure, qui évolue au fur et à mesure des épreuves, et on se rend compte qu'il se passe quelque chose en fait à l'extérieur. Donc c'est assez sympa, c'est sur fond d'épidémie mondiale, un peu post-apocalyptique. Donc on commence sur une aventure vraiment traditionnel pour dériver un peu vers là, et j'ai trouvé que les personnages et les situations sont vraiment super intéressantes. Donc si vous aimez ce genre de livre, thriller un peu aventure, mêlant un peu les fins du monde comme on peut trouver dans certaines séries, je vous le recommande parce que franchement il est vraiment très sympa. Il est super facile à lire, mais en plus c'est écrit assez gros, donc ce qui n'est pas pour gêner. Je vous dirai exactement combien il y a de pages dans l'histoire, sans compter les remerciements. Donc c'est un livre de 406 pages. Il y a beaucoup de suspense. C'est vraiment une façon d'écrire très sympa, et c'est limite angoissant par certains moments. Donc, et puis vous découvrirez en fait la réalité de ce monde, la réalité des personnages, vraiment à toute fin. Donc n'hésitez pas à le consulter. Donc c'est, je vous le rappelle, aux éditions Kerho, Jusqu'au bout, écrit par Alexandra Olivier. Je vous souhaite une très bonne lecture à tous. Bisous, bisous.